Au cours de cette réunion, les membres pluriacteurs de certification, les chefs de quartier et les agents du service social de l'arrondissement 4 Mungali, devant l'administrateur maire de cette entité administrative, ont été sensibilisés par les responsables de l'unité de gestion du projet Lisungi sur le nombre de ménages sélectionnés qui percevront l'allocation Covid-19 de 50 000 francs CFA. La mise à disposition de cette assistance financière est conditionnée par un certain nombre de critères à remplir par les bénéficiaires. Donc, au total, nous avons 6 911 ménages qui vont faire l'objet de paiement pour cette première phase. Le paiement concerne les ménages qui ont leur nom sur des listes. Et le ménage qui se présente à l'agence de paiement doit recevoir un message de l'agence de paiement. Et le message indique son nom, un code, le montant de 50 000 francs à percevoir. L'administrateur maire de Mungali s'est réjoui du fait que les ménages vulnérables de son arrondissement entreront bientôt en possession de leur allocation Covid-19. Ils ont reçu des appels, des gémissements, mais à qui s'attendre, tout vient à point nommé. Et vendredi, les populations seront soulagées. Et chacune, en ce qui la concerne, recevra ce qui lui revient de droit. Le paiement des ménages de Mungali, qui commence le 11 décembre, intervient après les populations de Potopoto, Kintele, Wenze, Bakongo, Makelekele et Talangai.